Chers passagers, bonjour et bienvenue avenue du Prado à Marseille, la plus belle avenue marseillaise avec ses belles boutiques, avec son grand boulevard, avec sa circulation trépidante et ses Marseillais toujours de bonne humeur sur les terrasses ou dans la rue. Nous avons choisi pour les téléspectateurs de TMR TV de vous faire pénétrer dans l'univers mystérieux exceptionnel de l'agence TMR, là où tout a commencé. Vous me suivez, nous allons traverser au péril de notre vie l'avenue du Prado. Ça me fait penser qu'il faut que j'achète 3 bourriches d'huîtres. C'est ma femme qui m'a demandé, tu me fais rappeler ? Allô ? Allô, oui ? Ah, monsieur Ravon ? Oui, monsieur Ravon. Toujours avenue du Prado, je vais vous faire la démonstration que l'agence TMR est une véritable institution depuis plus de 25 ans maintenant qu'elle a pignon sur rue. Demandons par exemple la brochure prochaine du 38e Tour du Monde au kiosque à qui est fermé, mais pas de souci, parce qu'un peu plus loin, nous avons par exemple le poissonnier. Le poisson est frais, une véritable institution aussi de l'avenue du Prado. Et je demande, par exemple, cher monsieur, avez-vous la brochure du 38e Tour du Monde TMR ? Bien sûr, je l'ai, regardez. Elle vous fait rêver, elle est belle, elle est lourde, hein, et elle est fraîche. Sinon, eh bien, joignons l'utile à l'agréable, je vais peut-être prendre 2 bourriches. Toi, il t'en faut combien, toi, Jeff ? 3 bourriches. Ok, merci, et je vais quand même reprendre cette belle brochure TMR à découvrir dans vos kiosques et même chez votre poissonnier pour le 38e Tour du Monde. Mesdames et messieurs, c'est une première mondiale, nous allons vous présenter le véhicule de fonction de notre président directeur général, Jean-Maurice Ravon. Aux couleurs de TMR, d'ailleurs il y a quelques... Les oiseaux se sont un peu oubliés sur la carrosserie. Alors à tour de rôle, évidemment, nous nettoyons le véhicule de fonction de notre directeur général. Regardez, vraiment les oiseaux cette année sont assez... Ça accroche. Je vous propose de continuer maintenant la visite de nos quartiers, là où tout a commencé. Et dans le ciel de TMR, les goélands s'envolent aux couleurs de la cité phocéenne, comme aux couleurs de ce numéro fétiche, le 349. 349, des lettres blanches sur un fond azuré, comme ce costume et ce logo TMR, agence marseillaise, depuis plus de 25 ans maintenant. Je vais sonner, la porte va s'ouvrir et vous allez pénétrer avec nous dans l'univers magique de TMR International. Suivez-moi, c'est ici que ça se passe. Vous avez, bonjour les filles, vous avez Annie, grand monument de l'agence depuis combien d'années, Annie, maintenant ? 16 ans de fidélité. C'est elle qui vous répond au téléphone au même titre que Fabienne. Alors c'est comme Véronique et Davina, voyez-vous, à l'agence, nous avons la blonde et nous avons la brune qui depuis tant d'années, Fabienne, depuis combien d'années maintenant ? 17 ans de fidélité à cette agence. Elles vous connaissent vocalement. Je vais retirer les lunettes, il n'y a plus de soleil. Elles vous reconnaissent vocalement. Elles savent absolument tout de vous. Tous les voyages que vous avez pu faire sur terre, sur mer, dans les airs, avec TMR. Regardez ici toutes ces brochures qui ont été préservées, qui ont été surtout publiées ici même, dans cette agence que nous allons visiter tous ensemble. Des images sur le monde. Un gros plan sur le Concorde. Vous voyez peut-être une relation, eh bien oui, oui. TMR, il y a 25 ans, a été la première agence à affréter cet avion mythique,
le Concorde, surnommé le bel oiseau, avec des passagers heureux, pas plus de 90 qui ont fait le tour du monde pendant de nombreuses années. Ça a été véritablement le fer de lance de cette agence qui continue l'exercice difficile du tour du monde, puisque n'oubliez pas qu'en novembre prochain, nous allons vivre le 38e tour du monde. 9 escales absolument extraordinaires, réservation numéro habituel. Évidemment. Alors, continuons notre visite maintenant et, eh bien, entrons maintenant chez celle qui, avec ses mains, ses doigts de fée, réalise ce tour du monde. Les escales, c'est Florence. Florence Pivois, toujours belle, élégante, fraîche et coquette, dans son bureau où elle va préparer les escales avec la complicité de nos partenaires de la compagnie aérienne. Elle va définir les escales, réserver les hôtels, préparer les réceptifs qui vont organiser pour nous les excursions plus belles les unes que les autres. Merci Florence pour tout ce que tu fais pour TMR et le voyage à la française. Vous découvrez la porte. Une porte très importante. Derrière cette porte, vous avez notre directeur général, Jean-Maurice Ravon. Vous voyez, nous ne vous le montrerons pas. Nous ne rentrerons pas dans son bureau. Il est au téléphone avec des personnalités très importantes. Mais nous allons procéder, évidemment, à une tradition à chaque fois que nous passons devant cette porte. Notre visite continue maintenant dans les coulisses. Les coulisses de l'Expo. Nous allons changer d'univers, changer d'espace. Gros plan sur la machine à café mise à disposition du personnel. Une machine de marque. C'est vous dire à quel point les employés sont heureux ici chez TMR. Et c'est important. C'est important pour la fidélisation. Autre point de détail qui a son importance, nous sommes la seule entreprise au monde à disposer d'un ascenseur mis à disposition des employés pour gravir un seul étage. Je vous en fais la démonstration. Suivez-moi. L'ascenseur. Tiens, où vais-je aller peut-être pour gravir les étages de chez TMR? Eh bien tiens, j'ai le choix entre le 0 ou le 1. J'irai donc au premier étage pour repartir à la rencontre de nos autres collègues. Je sors maintenant de l'ascenseur et j'arrive au premier étage. Au premier étage, vous allez rencontrer d'autres collaborateurs de TMR depuis de très nombreuses années. C'est une équipe très fidèle. On ne compte pas le nombre d'années. Notre doyenne, en quelque sorte, en termes de fidélité à TMR, car c'est la plus jeune de l'équipe, nous avons à gauche Nathalie, à droite, Dorothée. Dorothée, c'est la comptabilité. Donc, on va pas la déranger parce que les chiffres, elle les amoncelle, si je puis dire. Merci les filles, bon courage. On va continuer maintenant avec le sourire de celle aussi qui vous répond au téléphone pour vous renseigner. C'est Christine aussi, qui habite pas loin du bureau. Donc, c'est toujours la première arrivée. Je ne sais pas, tiens, ça, faudra qu'on vérifie sur la pointeuse. En tout cas, ici également, autre monument, nous avons des équipes TMR un peu partout dans le monde entier qui ont pour mission de nous donner l'heure. Notre correspondant nous indique depuis Londres qu'il est exactement 18h10, tandis que celui de Tokyo s'apprête à se coucher après nous avoir indiqué qu'il était minuit 10. Continuons maintenant notre visite. Voici le fauteuil dans lequel Monsieur Ravon, notre directeur général, vient méditer, songer à la préparation de futurs voyages. C'est là où il se concentre, c'est là où il prend la source de son inspiration en regardant pousser cette plante. Poussons la porte à présent. Je n'aurai pas à la pousser puisque la porte est déjà ouverte. Et entrons sans les déranger au milieu de cette équipe qui vous donne envie de partir. C'est l'équipe du marketing direct. Alors c'est un terme bien compliqué pour révéler le travail d'une équipe compétente, passionnée, qui vous donne envie de partir en réalisant ces véritables best-sellers, les brochures fraîchement sorties des presses,
qui vous invite à partir sur une croisière du jazz, sur une croisière festival musique en mer ou sur des croisières aériennes, avec des photos sélectionnées, choisies, des mises en page qui nous invitent à voyager, à partir avec toute votre équipe, une équipe dirigée par Jean-Christophe Martinet, qui avec son ordinateur, eh bien, réalise ses véritables chefs d'œuvre en compagnie de Jules et de Cyrielle. Jean-Christophe, explique-nous en quelques mots ce que signifie marketing direct, Jean-Christophe. Eh bien, donc, le marketing direct, ce sont toutes les brochures et les courriers que vous pouvez recevoir. On essaye de mettre en image et en texte, de coucher sur le papier les émotions qu'on peut ressentir pendant un voyage. Absolument, pour la partie papier, mais il est aussi une nouveauté depuis 2013, c'est le site TMR qui a été expérimenté à l'occasion de notre dernière édition du Tour du Monde. Combien de milliers de visiteurs sur le site, Jean-Christophe ? 8000. 8000 environ, c'est colossal, vous nous en parlez, et ça a tellement plu qu'on a décidé finalement de poursuivre l'expérience sur toutes nos aventures maritimes, aériennes, et pourquoi pas les circuits, on n'y a pas encore songé, mais pourquoi pas, un jour viendra peut-être, et donc avec la complicité eh bien de Jean-François et de toute l'équipe, eh bien on peut vous transmettre aussi, grâce au talent de toute l'équipe Marketing Direct, eh bien partager avec nous vos aventures et vous donner l'envie de nous rejoindre. Eh bien, chers amis, maintenant, je vous propose, pour la première fois de l'histoire de TMR TV, je vous propose de descendre au quatrième sous-sol, dans les caves de TMR, qui renferment beaucoup de secrets, et notamment où nous stockons, eh bien, tout le matériel prêt à partir pour de prochaines aventures. Alors, vous constatez une certaine obscurité, un peu de mystère. Voyez ces uniformes dont seront parées vos équipes sur une croisière prochaine, mais également les jeux, les livres, quelques jeux de quilles, visiblement. Donc nous allons remettre, je pense, au goût du jour, certainement. Et puis tous ces objets mystérieux que je vous laisse découvrir. C'était un peu notre coup de cœur, notre surprise pour les fidèles passagers de TMR. Mesdames, messieurs, instrument prépondérant dans la préparation de nos voyages, la photocopieuse. Regardez l'engin. À échelle humaine, le volume que ça tient dans cet espace dédié à la création de documents. Et je pousse maintenant la porte du service courrier. Alors, sachez que nous avons des tarifs négociés avec la poste, vu le nombre d'envois que vous recevez. Regardez, dans ces casiers, Patrick, demain matin, très tôt, eh bien, va glisser ses prochains feuillets dans les enveloppes qui seront transférées dans vos boîtes aux lettres dans les jours qui viennent, afin que vous puissiez découvrir notre programmation. Rendons hommage aussi à Catherine, qui s'affaire à la préparation des malles qui vont équiper notre prochain navire. C'est dans cette pièce que tout se gère, tout se pense, parce que ce sont des semi-remorques entiers qui partent à destination eh bien, des ports dans lesquels nous faisons escale et où nous embarquons nos passagers. Autre point important réalisé par Catherine, eh bien, les visas dont vous avez besoin pour partir. C'est elle qui va prévenir les consulats et faire en sorte que vous puissiez recevoir, apposer sur votre passeport, le visa nécessaire pour votre prochaine destination. Merci Catherine. Là, j'ai du boulot là. Ouais. Ce soir, t'as prévu quoi ? On finit les rillettes ? Je remets une baguette. Eh bien voilà, chers amis, c'était l'occasion pour vous de visiter cette agence. Vous nous appelez très souvent. Vous pouvez maintenant mettre des visages sur des noms. Et puis, c'était pour nous l'occasion de rendre hommage à toute cette équipe qui contribue aussi au succès de ces croisières, de ces voyages, de ces tours du monde aériens. C'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et beaucoup de passion pour tous ces collaborateurs de l'agence TMR. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve avec toute l'équipe sur de prochain voyage. Rendons
rendons aussi hommage à vos accompagnateurs, vos danseurs TMR, votre conférencier Jean-Pierre Anglade entre autres, et puis Michel, Patrice, vos moniteurs de jeux de société, bref, toute une équipe, et vos musiciens aussi chers à votre cœur, sans parler des directeurs artistiques de nos croisières musicales, qu'il s'agisse du jazz avec Jean-Pierre Vignola ou de Bernard Soustreau pour les croisières musicales. Bref, un esprit de famille, des passionnés qui vous accueillent sur tous ces produits. Merci à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures.